Yo les supporters, j'espère que vous avez passé un bon week-end et notamment un bon dimanche les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars et on va parler de notre nouvel entraîneur et de notre magnifique super attaquant Valère Germain les amis. Et donc Disport a annoncé que Valère Germain avait croisé Villas-Boas 2 jours avant sa signature dans un restaurant. Et qu'ils avaient une discussion et comme quoi notre cher nouvel entraîneur comptait sur la saison prochaine sur notre bon vieil attaquant Valère Germain. Donc les gars, moi je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé, un peu partagé car comment expliquer ça? Ben Valère Germain, ça fait déjà 2 saisons où il est chez nous, où il joue à l'Olympique de Marseille et comment dire? On l'a pas vu vraiment briller les gars. La première saison catastrophique. La deuxième, un peu mieux à l'arrivée de Balotelli. Il a commencé à mettre un ou deux buts. On a commencé à avoir quelques jolies choses de notre Valère Germain. Mais voilà, sans plus. Moi, pour moi, c'est le mec en 2 ans, il a toujours pas retrouvé le niveau qu'il avait à Monaco ou à Bordeaux. Je crois que c'est à Bordeaux qu'il jouait avant d'être à Monaco. Je sais pas. Bon, Villas-Boas, je lui ai dit qu'il ne serait pas tout seul en attaque. Est-ce que ça veut dire par là que on bougera pas, on restera 2 attaquants? Ou est-ce qu'il n'y aura qu'un attaquant, mais est-ce que son expression était de dire qu'il sera en rivalité sûrement avec un autre attaquant? Alors, va savoir. Voilà les gars, donc moi je suis un peu mitigé là-dessus. Je sais pas. Franchement, Valère Germain encore à l'attaque de l'OM. Après, il y a que on change d'entraîneur. Peut-être que Boas, il a le truc qui va faire que Valère Germain va fleurir, tu vois. Va fleurir, c'est un grand mot, parce que le mec, il n'est pas tout jeune. Hein, il a quand même un certain âge, donc il devrait déjà avoir une certaine expérience balle au pied. Mais, je sais pas. Franchement, très très mitigé. Je suis plus à 60% où ça va être encore une année catastrophique pour lui. Je vois pas. Je vois pas par quel. Je sais pas. Franchement, je sais pas. À vous de me dire dans la zone de commentaire ce que vous en pensez, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Valère Germain, une saison de plus à l'OM? Ou carrément, est-ce qu'on devrait aller chercher un beaucoup plus grand attaquant et le garder avec nous sur le banc? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Le faire rentrer en fin de deuxième mi-temps, pourrait peut-être toujours nous servir à ramener un peu de fraîcheur au niveau du match en cours. Donc voilà les amis. Sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne fin de dimanche, une très bonne fin de soirée, les gars, que vous allez attaquer la semaine tranquillou. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez encore bien de vos vacances, les gars. Hein. L'école va pas tarder à arriver, ça va vite, hein, quand on est en vacances, ça va vite. Donc voilà, donc je m'éloigne un peu du sujet, là, on s'en bat les couilles des vacances, frère. On est là pour parler du foot. Donc voilà, les amis, encore une petite chose. Laissez-moi en zone commentaire, en hashtag, le joueur que vous voulez voir en top pour le prochain. Donc on va continuer les tops, les gars. Il me semble qu'il y a certains abonnés qui aiment bien les tops que je fais sur les joueurs. Donc là, les gars, cette fois-ci, on va partir. Je vais pas vous laisser totalement choisir. Cette fois-ci, on va partir sur 2 joueurs. Je vais vous laisser choisir entre 2 joueurs, les amis. Donc, dès que vous avez fini votre commentaire, vous mettez hashtag le joueur que vous avez choisi sur les deux que je vais vous proposer, les gars. Alors, le premier. Le premier, les gars, et c'est vraiment un joueur qui me tient à cœur. Le premier, les gars, ce sera Didier Drogba. Le deuxième, les amis, pareil, un attaquant qui a beaucoup compté pour moi lors de son passage à l'OM, c'est André-Pierre Gignac, les gars. En plus de ça, un enfant de vers chez moi. Alors voilà, les gars, tout simplement, une fois que tu as fini de taper ton commentaire, pam, hashtag Gignac, hashtag Drogba, tu choisis. Je prendrai le joueur qui a eu le plus d'hashtags
Et la semaine prochaine, vous aurez droit sur la chaîne à un nouveau top but du joueur en question. Donc voilà les gars, encore un dernier mot. Je souhaitais tous vous remercier les gars, car sur mes deux dernières vidéos, j'ai atteint les 11 j'aime. Et franchement, ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça montre que ben, je vous partage mes sentiments sur l'OM, pas pour rien. Et ça me fait grave plaisir les gars, et ça m'encourage à... Et ça m'encourage à continuer et carrément à faire mieux, les gars. Donc, continuez comme ça. Continuez à me lâcher autant d'aimes. Franchement, ça me fait grave, grave, grave plaisir. C'est pas grand-chose, hein, c'est pas grand-chose. On a pris 2 abonnés depuis que je suis revenu. Je suis à 39, hein, je n'ai même pas les 50, je suis même pas à 100. Mais bordel, l'activité qui commence déjà à avoir sur ma chaîne, la petite communauté qu'on commence déjà à être, me fait super plaisir, les gars. Et si on continue comme ça sur cette bonne lancée, beaucoup de surprises arriveront sur la chaîne, je vous le promets les amis. Ensuite, et pour finir, vraiment vraiment le dernier mot de la fin les gars, je tiens à remercier, à faire une grosse dédicace à Abidjis, l'un de mes premiers abonnés les gars, et il n'y a pas longtemps, il m'a fait une vidéo dédicace rien que pour moi sur sa chaîne, ce qui m'a fait énormément plaisir. Vraiment énormément plaisir. Alors merci à toi mon poulet, Abidjis, pardon. Continue à me suivre parce que franchement, gros, ça me fait grave, grave, grave plaisir. Et continue à me laisser des commentaires et reste comme ça, mon poulet. Merci à toi de me suivre et merci à tous les autres abonnés, même s'ils sont beaucoup moins actifs que lui. Mais merci quand même à vous, je vous dédicace tous, les gars. Et merci à vous, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée de dimanche, les amis. Faites attention à vous, gardez la pêche et on se dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo, en l'occurrence, ce sera sûrement le top début. Voilà. Allez les gars!